architecte scénographe. J'ai travaillé avec Mathilde Levaux sur ce projet qui s'appelle Forêt. Nous avons réalisé ce projet-là au Hangar Créalable au Mans lors d'une résidence qu'elle a réalisée dans nos locaux, mon locaux de travail. Nous avons cherché tout d'abord à réfléchir à un jardin qui ne soit pas vraiment un jardin qui parle de paysage. Et tout de suite, vous est venue l'idée de travailler sur la forêt, dans le sens où, pour nous, la question de la verticale dans le paysage, c'était un début d'aménagement paysager. Et voilà, et on a voulu créer une installation immersive où le spectateur, pendant le temps de la traversée de l'installation, se retrouve au milieu d'une forêt, bercé par les bruits alentours qui transpercent la toile, et puis par aussi les rayons du soleil qui traversent la toile lorsque le soleil est là, et crée des rayons de lumière à l'intérieur de cette forêt. Au sol, on a un paillis qui crée une souplesse et une odeur qui rappelle également la forêt. Chacun y verra sa forêt, son souvenir de forêt, avec ses rêves et son imaginaire, et peut-être ses peurs aussi, puisque la forêt a toujours été aussi, pour certains, le lieu de rencontre du loup et des brigands. Voilà, donc on a réalisé ce projet depuis la France avec toute ses détails techniques, et puis après il a fallu le réaliser ici. On avait travaillé sur une toile française qui nous permettait de contrôler l'élasticité de la toile et puis le percement des trous dans la toile pour créer ces rayons de lumière. Et finalement, on s'est rapatrié sur une toile canadienne qui a été cousue sur place. Merci d'ailleurs à Connie qui a travaillé sur la couture de la toile. Et malheureusement, celle-ci avait plus de coteaux que de lycra, ce qui nous a empêché de réaliser nos trous comme on voulait le faire au départ. Et on a dû trouver une astuce pour réaliser des trous parfaitement ronds qui créent justement l'illusion des rayons. Voilà, quoi dire d'autre ? On a mis à peu près une dizaine de jours à réaliser ce jardin à deux. Sans vraiment de surprise, même si on a découvert quelques surprises des effets visuels après la réalisation, notamment au moment de la pluie, parce que il y a deux temps en fait dans l'installation, soit il pleut, soit il y a du soleil. Quand il pleut, les rayons ne transpercent pas, mais il se passe autre chose. Déjà à l'intérieur, on est presque sec, mais transperce quand même des petites gouttelettes de pluie, et le dôme devient étoilé et brillant. Et quand la pluie cesse, le dôme à l'extérieur, l'eau sur le dôme à l'extérieur s'évapore et crée une fumée qui lèche les parois du dôme. Et puis quelques minutes après apparaissent les rayons de lumière à l'intérieur de la toile. Alors pour capter ces rayons de lumière, on a utilisé un brumisateur qui crée le grain qui permet de capter ces rayons. On veut simplement mettre le spectateur dans cette situation et à lui de créer ses propres émotions. On n'a pas l'intention de chercher une émotion en particulier auprès des spectateurs. Voilà.